Bac Pro Cuisine première année, action! Dans cette vidéo, vous allez apprendre l'appareil à crème prise pour le flan, la cuisson à court mouillement et la sauce bonne femme pour le cabillaud. Avant de vous laisser avec la recette, je vous fais une petite précision. La recette, elle se fait de base avec du filet de sole. J'en ai pas trouvé, j'ai donc utilisé du lot de cabillaud, ça fait parfaitement l'affaire. La première étape, c'est le taillage des carottes. Pour commencer, je coupe les extrémités, ensuite je les épluche et puis pour finir, je viens tailler des rondelles de carottes assez fines. Ces carottes vont m'être utiles pour la réalisation du flan, alors je viens les cuire 20 minutes à la vapeur. Je vais maintenant réaliser un appareil à crème prise salée. C'est l'appareil que je vais utiliser dans la purée de carottes. Donc c'est composé d'œufs, de crème liquide ou solide et puis de sel et de poivre. C'est aussi cet appareil qui est utilisé pour tout ce qui est quiche Lorraine. Dans mon saladier, je mets la crème, je casse mes œufs, je mélange, je selle et je poivre. Et ça y est, j'ai mon appareil à crème prise salée. J'ai fait fondre du beurre pour beurrer tous mes ramequins en aluminium. Je les mets sur une plaque pour être sûr que le beurre descende et ça part au réfrigérateur. Pour réaliser mon fumier, j'ai fait fondre du beurre où je viens ajouter ma garniture aromatique que je viens faire suer sans coloration. J'y ajoute mon fumier, mes parures de champignons, mon bouquet garni et je laisse cuire jusqu'à ébullition. Pour le poisson, je commence par venir beurrer une plaque que je viens saler et poivrer. J'y dispose mes poissons, mes échalotes ciselées et mes champignons. J'ajoute le persil et le vin blanc, puis je mouille à hauteur de fumée de poisson. Je place un papier sulfurisé avant que ça parte au four. Je retourne à mes flancs où je vais mélanger mes carottes mixées à mon appareil pour venir les mouler dans des petites caissettes en aluminium. Pour la cuisson, je n'ai pas utilisé la méthode traditionnelle. Normalement, il faut commencer jusqu'à ébullition sur feu et ensuite mettre à 170 degrés pendant 5 à 6 minutes au four. Moi, j'ai tout directement mis au four, je trouvais que c'était plus pratique. Le poisson sorti du four, je récupère le jus de cuisson. Je tente de la réduire presque à glace avant d'ajouter la crème puis de refaire une réduction. Pour la terminer, je tamponne de beurre, j'assaisonne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, il va s'afficher quelque part ici. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo. Ciao !